On bouge. Veil, surveille les ondes. Affirmatif. Buck, Tanaka, montez la garde. Ok. Ok. Alcée et M'Dama sont planqués devant, dans une structure Forerunner. Voilà l'objectif. C'est Alcée qui nous a appelés ? Elle a dit qu'il se préparait quelque chose d'important, et a transmis ses coordonnées au capitaine Askey. Ça doit être important. Ou alors c'est un piège. Alcée et Jules vont pas nous attendre éternellement. On devrait y aller. J'ai un visuel. Avançons vers la position d'Alcée. Ça m'étonnerait qu'il court plus vite que les balles. Des soldats Forerunner ! Sur la falaise, traquez-les ! Les soldats se sont téléportés à travers la glace. Prométhéens, partout! On peut charger au centre, mais ce sera risqué. Mieux vaut les prendre par le flanc. Formation tactique. Chaque balle compte.
est à couvert. Empêchez-le de sortir. La porte est bien fermée. Une station de sécurité Forerunner, sûrement en bouclage. Un moyen de la lever ? L'Artemis peut analyser les systèmes Forerunner. Il y a peut-être un moyen d'ouvrir cette porte. L'Artemis ? Encore un gadget de l'ONI ? Voyons, ça devrait le faire. C'est ouvert. L'Artemis a marché. Look, écoute un peu ça. Il donne l'assaut sur l'arrière du temple. Sortez le Kraken. Voilà le Kraken. Tenez vos positions. Gagnez du temps. Jules sait plus quoi faire. Dis-moi où t'as appris à parler Sangeli, Vale. Quand j'étais gamine, je me suis retrouvée coincée à bord d'une navette diplomatique. Six longs mois à dériver, perdu au beau milieu de l'espace. Alors j'en ai profité pour apprendre. Notre objectif est de l'autre côté de ce champ de bataille. Attention au Kraken! Les Covenants essaient de s'en servir pour forcer les lignes prométhéennes. J'aimerais pas être coincé entre les deux! À couvert, imbécile de toi! Je vais t'exploser! Thank you.
continue en direction d'Alcée. Alcée et M'Dama sont quelque part dans cette structure. Faisons d'une pierre deux coups. On ramène notre cible à bon port et on liquide les Covenants. On se rapproche d'Alcée. L'autorité de M'Dama a dû en prendre un coup quand les Prométhéens se sont retournés contre lui. Lui qui avait joué la carte du prophète Forerunner. Jules M'Dama est un opportuniste, pas un meneur. Sa vision du Covenant était condamnée à péricliter des similitudes. S'il avait pu péricliter plus vite, ça aurait pas été plus mal. Le symbole en question évoque l'existence d'un monstre qui sommeille dans les entrailles de la Terre et ne doit surtout pas être réveillé. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vient faire le signal dans tout ça. Chevalier! C'est le dernier modèle, comme ce signalé sur Oban. Son armure est endommagée. Feu! Ne les laissez pas atteindre Alcée. Il nous la faut vivante. Trouvons Alcée et Jules. C'est reparti, Locke. C'est bon, merci.
Il y en a plusieurs. Souhaiteriez-vous qu'on débatte des subtilités de la reconstruction temporelle? Les humains et leur sarcasme. Au moins, vous aurais-je appris quelque chose, Jules. Vous prétendez pouvoir accéder En effet. Toutefois, je n'ai jamais prétendu que je pouvais y accéder instantanément. Votre sécurité est menacée. Il faut prendre une décision. Et vite. Vous feriez bien de me témoigner le respect dû à la main du didacte. On dirait bien que vos doigts font de la résistance très honorablement. Assez! Salut, beauté. Remettez-vous au travail. Cible en vue. Ces coordonnées sont très insuffisantes. Dès qu'elle enverra une autre transmission, il faudra triompher. Ça suffit, docteur! Ça fait des semaines que vous courez après un fantôme sans aucun résultat! Lasky voudrait vous parler. Il vous en aura fallu du temps. Équipe Osiris, vous pouvez atterrir à l'aire d'amarrage numéro 11. Capitaine Lasky, j'ai envoyé mes coordonnées il y a 3 semaines. Je vous avais prévenu. Nous en discuterons en privé, docteur. Palmer. Qu'a-t-elle fait au juste? Mais elle est allée jusqu'où? Bien joué, Osiris. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai vu le Major s'agiter comme ça depuis qu'on a fait nos classes. Tout ira bien, Fred. J'en doute. Le surmenage, c'est pas bon. Sierra 117 à Infinity. L'équipe bleue a localisé l'Argent Moon. Il y a une présence ennemie à bord, mais il n'a pas bougé. Bien reçu, 117. Éliminez tous les ennemis et sécurisez l'Argent Moon. Déploiement autorisé. Affirmatif, Infinity. 117 terminé. Ça va aller. Équipe bleue, en avant. Les Hougoïs nous résistent. Ben tant pis, débarrassez-vous d'eux. Yeah.
Qu'est-ce qu'on sait sur Argent Moon? L'ONI fait des recherches. Aucun signe de vie en 19 mois. La semaine dernière, des charnières qui hier l'ont trouvée et vendue aux hommes de Joel Mdama. On tue tous les govenants et on rend la station à l'ONI. Le plus simple serait de reprendre le poste de contrôle central. On élimine les ennemis sur notre route et on désactive les systèmes de gravité et de survie. Le centre de données est droit devant. On y trouvera les plans de l'Argent Moon. Impressionnant. Ils travaillaient sur les plans d'un nouveau vaisseau de classe furtif. Ils ont perdu des années de recherche avec cette station. Du verre, j'adore tailler le verre. Ennemi en vue. On a un jeu complet de clés de sécurité pour la station. On devrait pouvoir trouver les plans de l'Argent Moon et un passage jusqu'au poste de contrôle central. Accès aux données autorisé. J'ai accès aux banques de données. Prends les données et la carte des affectations. Le hangar d'assemblage droit devant nous mènera au poste de contrôle central. Il reste encore des rôdeurs dans les hangars. Aucun membre de l'ONI n'a survécu, j'imagine. Non. On y va. Un ascenseur. Central est au bout de son hangar. Tout a l'air en vrac. Ils récupèrent des pièces sur ce vaisseau expérimental. Des charognards, ils font main basse sur tout ce qu'ils trouvent. La guerre de l'Alliance Covenant contre l'Arbiteur doit mal se passer. Joel Mdama est beaucoup de choses, mais ce n'est pas un prophète. Celle-ci directe au chantier naval passe par ce mur. Passons à travers.